cette semaine, on organise la semaine des tests d'entrée Pôle France. Donc c'est la dernière étape de détection pour nous avant de finaliser le recrutement pour la saison prochaine pour le Pôle France. Donc c'est une étape très importante pour nous, entraîneurs nationaux au Pôle France et pour la fédération. Les jeunes filles, il y en a 20 qui ont été convoquées pour cette semaine. Elles sont arrivées grâce à un filtre de détection qui a commencé il y a déjà quelques mois, mais aussi un lien avec les collègues cadres techniques en région, responsables des pôles. Je m'appelle Cathy Emma, j'ai 14 ans, je viens du pôle de Bourges et je joue à Tendu Bourges Basket. J'ai commencé par les sélections au pôle, après je suis arrivée au 6. Suite à ça, j'ai été prise dans la liste pour faire le tournoi des demoiselles. Et suite au tournoi de demoiselles, j'ai reçu une convocation pour faire les tests à l'INSEE. On a observé des choses aux trois moments de cette détection. Maintenant, on finalise nos choix, donc on observe des choses peut-être plus précises. Il y a une vraie évaluation sur le terrain, à l'entraînement et en opposition. Et il y a aussi une observation des choses hors terrain, un certain nombre de discussions avec les joueuses sur leur projet basket, sur leur projet vis-à-vis du Pôle France et leur motivation, leur détermination pour rentrer ici. Et aussi leur projet futur de devenir des joueuses professionnelles de basket. Quand je suis rentrée au Pôle, j'avais un objectif, c'était de rentrer au Pôle France. Et puis quand j'arrive ici, ça me fait tellement plaisir pour voir les étapes que j'ai passées. Ça a toujours été un rêve pour moi. C'est impressionnant parce que on voit tous nos idoles qui sont venus ici, ils ont participé aux entraînements ici. Et c'est vraiment très impressionnant et on a tous envie de vivre le même parcours. Donc sur le challenge un petit peu d'apprendre des choses, parce que c'est assez riche mine de rien aujourd'hui. Un focus technique, un focus tactique, un focus attention, une nouvelle consigne, une nouvelle joueuse et compagnie, c'est pas simple. Mais là, je trouve que vous débrouillez pas trop mal. Et plutôt bien. Ok ? Allez, on se voit cet après-midi. C'est deux équipes là, hein, cet après-midi. Pas mal, très bien. Allez. Allez. 1, 2, 3 France ! C'est le coup double pour Nolan, parce qu'il a encore fait un mois de février très intéressant sur tous les aspects qu'on attend de lui au Pôle France. Il a fait déjà des matchs très consistants, avec une régularité à chaque match vraiment très intéressante. Que ce soit d'un point de vue scoring, passe décisive, il a limité aussi ses balles perdues, qui était un de ses petits défauts là, depuis quelques temps. Il est vraiment aussi monté d'un cran défensivement, donc il a coché beaucoup de cases qui ont permis une fois de plus de nommer joueur du mois. J'essaie de gagner en maturité de jour en jour. J'arrive à mieux me sentir dans mon jeu, j'arrive à faire de meilleures choses, de meilleures performances. Même moi, je le ressens. J'arrive à prendre plus d'initiatives et je sens que j'arrive plus à parler aux gars, à être un peu confident, quoi, et comme me dire des trucs tranquillement. Il fait vraiment partie maintenant des joueurs leaders, des joueurs qui sont ciblés par l'adversaire, ce qui n'était pas nécessairement le cas au début de saison. Donc, il a monté de statut à l'intérieur de l'équipe, mais aussi vis-à-vis de l'adversité. Donc oui, il a pris un rôle maintenant très important et il est un élément essentiel de notre performance. C'est là, la rotation, ça reste là. Et là, je pousse. Plus tu vas vers ça, plus tu vas être en déséquilibre. Plus fort sur cette jambe. Fort, fort. Voilà. Fléchis-toi, baisse, baisse encore. Allez, allez. Non, non. Allez. Ok. On a fait ce qu'on appelle du travail individualisé avec les joueurs, donc de façon séparée au départ. C'est des choses qu'on fait assez régulièrement, presque quotidiennement, dès qu'il y a une possibilité de créneau libre avec les joueurs. Donc il y a certains joueurs qui n'ont pas cours le matin, par exemple, avec lesquels on peut le faire chaque matinée. D'autres, lorsqu'il y a un professeur qui est absent, on utilise tout de suite ce créneau. Ou après, le week-end et le soir pour les autres qui ont moins de créneaux disponibles. Ça, c'est mieux. Ce qui ne me va pas trop, c'est que la balle, elle fait ça. Moi, je voudrais qu'à backspin. Donc doigt dans le cercle. Donc, c'est un temps de travail coach-joueur en 1 contre 1, mais qu'on aime bien contextualiser avec 2 ou 3 joueurs pour mettre aussi des postes différents, des complémentarités qu'on va retrouver en match. Il faut quand même oublier que le basket est un sport qui joue à 5 et pas tout seul.
Ah, tu vois, j'ai lâché. Pourquoi? Tu t'écrases. C'est-à-dire que tu fais ta première attaque. Terrible, c'est bien. Il n'y a pas d'aide et tu es debout. Donc, tu n'as plus de force. Si pendant tout ça, tu es fléchi, là, tu n'as plus qu'à monter et transformer vitesse horizontale, verticale. Comme tu es debout, ça devient difficile. C'est pour ça qu'on est toujours fléchi au basket. Déjà, dès là-bas, non. Voilà, encore, bien. Très bien. Ça leur permet vraiment d'être concentrés sur un aspect précis de leur jeu qui peut être le tir, le dribble, la pose des écrans, les finitions près du cercle. Mais il y a beaucoup de choses qu'on peut prendre le temps de décortiquer. On est moins pressé, c'est vraiment un rapport privilégié qu'on peut avoir à l'entraîneur. Donc c'est vrai que dans leur progression, c'est un temps important. On fait trois matchs. On fait un match U15 U15 le mardi et deux matchs U16 contre U15 avec le support des joueuses du Pôle France. Donc là, c'est les joueuses avec un an d'écart et 7 mois de Pôle France et nous permet de vérifier et d'évaluer les joueuses qui vont rentrer face aux joueuses qui sont déjà présentes au Pôle France. La 15e année, comme Greg, ça fait même 17 ans, l'ensemble des collègues, ça fait un bout de temps qu'on est ici. Donc par empirisme, on est capable de déceler le niveau général d'une génération d'une manière globale. Ensuite, on a l'opposition U16, elle est intéressante aussi parce qu'on s'est aperçu que les très fortes générations, elles arrivent à avoir un écart de 30-35 points avec les U16. Donc elles perdent, mais de 30 points. Voilà. Quand ça dépasse d'une manière importante ce côté-là, ça alerte, ça veut dire que la génération suivante est peut-être intrinsèquement moins forte que la génération présente. J'appréhendais un peu le match. C'était dur déjà un peu physiquement parce que c'est plus fort que nous. Sinon, après, j'ai réussi quand même à m'exprimer sur les drives. Et puis, ce qu'on m'a apporté est vraiment de l'expérience parce que ça joue vite, ça joue bien, ça a des bonnes lectures de jeu. Et c'est différent du pôle où c'est un peu plus facile, mais ici, c'est vraiment super le jeu qui est proposé. Généralement, celles qui ont une grosse potentialité, on les détecte très tôt. Donc c'est pour les autres que ça va jouer. C'est pour les joueuses dont on ne sait pas si en fonction du niveau de jeu auquel elles sont confrontées, elles sont capables de s'exprimer. Il y a forcément du stress, mais le haut niveau, c'est aussi la gestion du stress. Donc ça nous permet de voir dans ce contexte-là également qui est capable de dépasser son stress, de dépasser le contexte un petit peu de l'événement, de manière à s'exprimer, à exprimer son basket et sa personnalité. Réfléchissez un petit peu, d'aller un petit peu plus loin que des pures performances statistiques et de valoriser aussi ces joueuses qui font que l'équipe elle tourne mieux, tout simplement. Et Isaline, c'est exactement ce profil-là. C'est vrai que ce mois-ci, défensivement, elle a été très performante, mais ça ne se voit pas statistiquement. Et offensivement, elle nous offre des solutions. Elle a été plutôt juste, même si ce n'est pas elle qui en bénéficiait forcément à la fin. Mais cet équilibre-là, il est aussi important pour une équipe que la personne qui nous prend 15 rebonds ou qui nous marque 20 points. Il faut des personnes comme ça qui sont sous une forme un petit peu de sacrifice, mais un sacrifice qui est utile pour une équipe. J'ai toujours été comme ça, c'est un peu mon caractère et je
Je pense aussi à moi, mais je me dis que je vais faire des choses pour l'équipe qui ensuite vont m'être bénéfiques pour moi. Donc finalement, c'est un peu un cercle qui après m'est favorable ou non, mais je joue et après je vois ce qu'il y a à vivre et ce que je peux avoir. Et je pense qu'il y a à apprendre, quoi. Ce qui est drôle, c'est que moi, je me souviens très peu de basket, en fait. Je me souviens beaucoup de l'à côté, entre l'école, le fait d'être avec plein de copines et tout. Mais le basket, j'ai peu de... Enfin, je sais pas si on a gagné beaucoup de matchs, par exemple. Moi, je me souviens des entraînements, mais des matchs, aucune idée. Et des moments difficiles, j'en ai eu, notamment dans ma seconde année où je passe en première, et où en seconde, on n'avait rien foutu. Donc j'arrive là, je suis en retard au niveau notamment des maths. J'ai perdu mes copines de la première année qui avaient fini leur cursus. J'appelle ma mère un matin un peu fatiguée en disant bah, « ouais, ça va pas trop ». Le soir, mon père m'appelle en disant « mais qu'est-ce que t'as dit à ta mère ? Elle vient te chercher ». Je dis « non, mais surtout pas, ça allait beaucoup mieux, j'avais fait 2-3 conneries entre-temps ». Et je fais « voilà, un coup de moins bien ». Bon, il fallait pas dire ça à mes parents, ils allaient venir me chercher. Donc il y en a forcément, avec la fatigue, avec les déceptions, avec les moments un peu durs, mais... Enfin, au final, c'était génial. Puis c'est la vraie vie, en fait. C'est un jour ça va, un jour ça va moins bien. L'entraînement, les cours, les premiers amours, les premières bêtises. Enfin, il y a de tout. Et c'est condensé dans un espace assez réduit, un peu de liberté, mais en même temps surveillé. Enfin, t'apprends à jauger un petit peu, les limites de ce que la vie peut te permettre de t'offrir, quoi. Mais non, c'est génial. Enfin, franchement, je sais que avant d'y aller, je rêvais d'y aller. Mais alors vraiment, pour moi, ouais, c'est les meilleures années de construction pour un jeune ado, quoi. Ce qui concerne le secteur masculin, on est en pleine semaine d'intégration. Ça consiste en accueillir les 11 joueurs qu'on a sélectionnés pour la saison prochaine, leur montrer les locaux, même s'ils ont déjà vu, mais plus en profondeur, leur montrer le fonctionnement, faire quelques tests de tir, de culture basket, et leur montrer les différentes facettes du Pôle France sous l'angle préparation physique, préparation mentale, évidemment c'est l'aspect technique, tactique, des entretiens individuels également. Donc voilà, c'est 3 jours assez chargés pour eux, mais qui leur permettent de mettre un pied, voire les deux pieds dans la structure. Ce qui fait notre cœur de métier et l'intérêt d'être ici, c'est qu'on peut travailler à être un champion tout en se formant scolairement aussi bien que dans n'importe quel établissement de France pour être aussi un élève diplômé. Il n'y a pas beaucoup d'entraînement dans cette semaine d'intégration. C'est beaucoup leur faire découvrir la structure, ce que la structure peut leur apporter sous tous les aspects de la performance. L'objectif de la fédération est unique. Il est d'alimenter les équipes nationales. Et pas n'importe quelle équipe nationale, l'équipe nationale senior. C'est l'objectif prioritaire du pôle. Quand je venais de commencer le basket, on m'en parlait. Je voyais les grands joueurs qui passaient par là. Je me disais, ouais, c'était un objectif, tout ça. Et là, d'y être, je suis content. Je me dis qu'il y a une part de mes objectifs qui sont un peu accomplis. Mais aussi, là, il reste beaucoup de travail. Je me dis que c'est là, maintenant, que ça commence. C'est vraiment une chose sérieuse. C'est vrai que ma carrière a commencé ici. Donc, tout comme vous, j'étais à l'INSEP, j'étais dans cette salle. Je sais que je me suis fait beaucoup d'amis ici. Toujours intéressant de discuter aussi avec d'autres sportifs de sports très différents. C'est toujours enrichissant. Donc, profitez de ces années-là et faites du mieux et prenez beaucoup de plaisir. Pôle France ensemble.